Good morgen, allez, Iden les Suisses aujourd'hui, les Lonishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna et Lucienne Batraina. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, consultez les 5 minutes éternelles. Nous étions en Sechet Nedarim, Perikyud Aleph, Mishnah Gimel. Konam, She'eini Nehena la Briot, Eno Yachol la Afer. Yachola i Lehanot, Beleket, ou Bechichecha, ou Bepea. Konam, Kohanim, Olvi'im, Nehenim li, Itlu al Korcho, Kohanim, Elu, Olvi'im, Elu, Nehenim li, Itlu Acherim. On a deux sujets dans notre Mishnah, parce que en parlant des Nédarim de la femme, du coup ça nous fait rentrer dans le sujet des Nédarim qu'on prononce envers les Kohanim et les Levim, on va expliquer bien sûr. Premier sujet tout d'abord, on commence avec le Néder de la femme. Je rappelle deux principes, trois même. Le mari a la possibilité, lorsqu'une femme prononce un Néder, le mari a la possibilité d'annuler ce Néder à condition que ce néder appartient à deux groupes, à l'un des deux groupes de nédarim. Soit ce qu'on appelle nidre inouï nefesh, soit dvarim chez beno le bena. Nidre inouï nefesh, le nédarim où il y a une souffrance. Nidre beno le bena, nédarim chez beno le bena, c'est tout ce qui concerne à son intimité, ou bien même à sa tranquillité, ou à son bon terme avec elle. Et bien évidemment, il va falloir définir tout ce qu'on va pouvoir faire, parce que si ma femme se dispute avec sa meilleure copine et qu'elle veut l'interdire quelque chose, c'est sûr que maintenant elle va être nerveuse à la maison et que je vais... C'est malgré tout, c'est pas une bonne raison pour annuler son éder parce que ça me concerne à moi, ça me concerne pas à moi, ça me concerne à elle. Moi, je subis de ça que des conséquences, comment dire, bah, kiffin, kilo, passive, je sais pas comment dire. D'accord? Donc c'est important de définir qu'est-ce qu'on appelle un éder de Inouï Nefesh et qu'on appelle un éder chez Beno Lebena. C'est le sujet notamment de notre chapitre maintenant. Un autre rappel aussi, le mari, lorsqu'il entend le néder de sa femme, il a la journée pour annuler le néder jusqu'à le coucher du soleil de cette même journée. Si on est le soir, le lundi soir, la nuit elle est déjà tombée, on aura jusqu'au mardi soir, tombée de la nuit. Si on est le mardi après-midi, on aura jusqu'à la tombée de la nuit aussi pour le faire, il ne restera plus que 2 heures pour le faire. Voilà le rappel essentiel. Maintenant, plus précisément, un rappel entre une marloquette, entre Rabbi Yossi et Chachamim, à savoir qu'est-ce qu'on appelle un éder de Inouï Nefesh, un éder où il y a une souffrance. Quel niveau de souffrance? Selon Rabbi Meir, selon Rabbi Yossi, il faut aller à chaque fois, il faut vérifier est-ce que cette fois-ci, c'est une souffrance supportable. Selon Chachamim, ça suffit que ça touche au thème d'une souffrance insupportable pour que le mari puisse l'annuler. Je m'explique. S'interdire de manger pendant 2 heures, franchement, on peut s'arrêter de manger pendant 2 heures, mais ne pas manger pendant une journée, c'est une souffrance. Donc, si la femme, elle prononce un éder qu'elle ne va pas manger pendant une journée, le mari a, sans aucun doute, sans équivoque, même d'après la Bible aussi, il peut annuler le néder et lui dire non, tu manges aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir... je te permets pas de te faire souffrir aujourd'hui. Par contre, si elle va se dire, je ne mange pas pendant 2 heures, là, ça touche à la marloquette en Rabbi Yossi et Chachamim, dans la mesure où il y a une souffrance partielle pendant 2 heures, mais c'est supportable. Selon Rabbi Yossi, le mari ne peut pas annuler. Selon Chachamim, le mari peut annuler parce que dès que ça touche à ne pas manger, ça rentre dans le thème, dans le titre général de souffrance. D'accord? Je rappelle ça parce qu'en fait, on a une Mishnah, je vous avais déjà prévenu depuis la première Mishnah du chapitre, que plusieurs Mishnah du chapitre vont partir spécifiquement selon Rabbi Yossi. En l'occurrence, on en a une de nouveau. Konam She'eni Nehena la Briot, une femme qui prononce le Neder, qu'elle ne va plus profiter de plus personne. Tout d'abord, Eno Yachol la faire, le mari ne peut pas annuler le Neder. Pourquoi? Parce que la femme, d'abord, elle a pas dit qu'elle. Quand elle dit je profite de plus de personne, ça implique pas son mari, bien évidemment. Il y a son mari et elle, ça fait. Ils sont ensemble dans leur maison, et il y a contre elle tout le monde entier, elle s'interdit le profit du monde entier. Mais elle peut toujours continuer à profiter de son mari. Ça veut dire quoi, profiter? Elle peut continuer à manger de son mari, à boire de son mari, à rigoler avec son mari, et ainsi de suite. Elle s'interdit juste de profiter du reste du monde. Dans la mesure où c'est une souffrance supportable, ouais, on peut rester juste avec son conjoint, ça dépend des couples, mais elle peut rester avec son conjoint, et uniquement, et puis ils vont être très... Ils vont, voilà, quoi, c'est supportable, donc après aussi, le mari ne peut pas annuler. Chachamim, bien évidemment, discute sur ça. Mais pire que ça, Chachamim, ils vont même encore plus loin. Même si elle s'interdit de profiter d'une certaine personne spécifique, si jamais c'est une personne qui peut entrer en interaction avec le mari et que le mari n'a un intérêt à ce que sa femme, elle s'interdise pas, lui, de profiter de lui, et ben dans ce cas-là, le mari pourra aussi de nouveau annuler parce qu'il y aura de nouveau une souffrance
Ouais. Mais. Ok. D'accord. On peut approfondir plus, il y a le partenariat qui rallonge. J'ai pas envie d'alourdir plus le cours. Maintenant, à part ça, on reste d'après selon la vie de selon Rabbi aussi. La femme s'interdit qu'elle va plus profiter de plus personne, ça implique tous les gens de l'extérieur, mais pas son mari. Et aussi, malgré tout, la Mishnah me dit que d'après Rabbi aussi, elle pourra quand même partir prendre le leket shechicha ou pea, qui sont des matnotanim, qui sont des taxes qu'il faut laisser pour les pauvres. En l'occurrence, leket, partir ramasser dans le champ, des épis qui sont restés ou qui sont tombés, shecha, il y a leket et shecha, il y a deux sortes. Et il y a aussi pea, c'est le 60e du champ qu'il faut laisser dans le champ pour les pauvres. La Mishnah, en fait, elle est venue dire, regarde, attention, il y a un grand chidouche qu'on apprend dans cette Mishnah. La femme, quand elle s'interdit de profiter de plus personne, alors elle s'interdit de profiter même de Réhouven, le propriétaire du champ. Malgré tout, elle peut partir dans le champ de Réhouven et prendre les matnot aniim, les dons qu'il faut faire pour le pauvre qui sont dans le champ, elle peut les prendre pour elle. Vous savez pourquoi? Parce que les matnot aniim n'appartiennent pas à Réhouven, ça appartient aux pauvres, et elle a le droit de profiter, ça lui revient de droit. Elle, si jamais c'est une pauvre, elle a le droit d'aller les chercher, d'aller les prendre pour elle, et parce qu'elle ne profite pas du propriétaire du champ, parce que maintenant c'est des choses qu'il faut être mafkir, qu'il faut laisser à tous les pauvres qui viennent les chercher. Donc le propriétaire n'a plus de propriété sur ce qu'il doit donner aux pauvres, ce qu'il doit laisser dans le champ. D'accord? Donc je récapitule en deux mots. La femme, elle peut, selon Rabbi aussi, elle peut s'interdire de profiter du monde entier, dans la mesure où elle peut continuer à profiter de son mari, c'est pas encore une souffrance personnelle. D'une part, mais lorsqu'elle s'interdit de profiter de tout le monde, elle peut malgré tout prendre les matnotanim, les cadeaux qu'il faut faire aux pauvres, les dons qu'il faut laisser pour les pauvres dans le champ. Ok? Du coup, ça va nous faire entrer dans un sujet. Si déjà tu as parlé de définir précisément les cadeaux qui reviennent aux pauvres, on est en train d'apprendre un grand chidouche. On est en train d'apprendre en ce moment que les cadeaux qui restent dans le champ, les dons, les taxes qu'il faut laisser pour le pauvre, elles appartiennent plus aux propriétaires. Du coup, la Mishnah va ouvrir le sujet. Est-ce que les taxes qu'il faut donner à un certain groupe de personnes, à qui appartiennent ces taxes? Je m'explique peut-être un petit peu mieux, comme ça on va mieux comprendre la problématique. Il va y avoir une certaine contradiction dans la Mishnah, et il va y avoir une petite astuce pour répondre à la Mishnah. Par exemple, quand je reçois des fruits, ma récolte, je dois laisser une part de fruits pour les Kohanim. Je dois donner aux Kohanim. À qui appartiennent ces fruits? Bien évidemment, ils reviennent au Kohanim. Je dois les donner au Kohanim. Mais est-ce que j'ai un droit de propriété aussi dessus? Je peux décider de les donner à ce Kohen plutôt qu'à ce Kohen. Et pourquoi je préfère donner à ce Kohen? Parce qu'avec ce Kohen-là, j'ai des affaires avec lui. J'ai envie de l'amadouer, qu'il soit content de moi. Comme ça, la prochaine fois, il me rendra ce service. Peu importe, j'ai un intérêt. C'est ce qu'on appelle une tovatana'a. Je peux en tirer un certain profit à kif. Passif, comment dire? Pas direct, mais indirect. Indirect, c'est le mot exact. Je peux tirer un profit indirect de ça. Est-ce que ça me définit comme malgré tout propriétaire ou pas? Et c'est là la problématique. Pour le moment, je rappelle la déduction qu'on a faite des pauvres. Puisque je me suis interdit de profiter de Réhouven, j'ai le droit de partir dans son champ pour profiter, pour prendre les matnot anim, ça signifie que le propriétaire n'a pas de droit de propriété sur ces dons-là. Maintenant, il faut bien préciser. Pour le moment, on a parlé de choses que le propriétaire n'a pas le droit de prendre et de les distribuer lui. Les quêtes shicha ou péa, ce ne sont pas des choses que le propriétaire décide de donner. C'est quand tu récoltes ton champ, tu les laisses dans le champ. Mais à la différence des matnot ani, des matnot kohanim et leviim, une fois que tu as fait rentrer, tu as engrangé tes fruits, et tu dois ensuite les distribuer, une part au kohanim, une part au leviim, et même une part aux pauvres aussi. Mais cette fois-ci, c'est toi qui es le boss pour les donner. Et là, on s'intéresse à savoir, est-ce que c'est un droit de propriété? Quelle est la conséquence? Moi, je suis un kohen, vous vous êtes fâché avec moi, vous m'avez dit, Neder, tu profites plus de moi. Bon, maintenant, tu as de la trauma chez toi. Je veux la chercher. Si Tovatana Mamon, j'ai pas le droit de la prendre. Si Tovatana Ena Mamon, j'ai le droit de la prendre. C'est quoi Tovatana? Le fait que c'est toi qui prends tes fruits de trauma, tu décides à quel coin tu veux les donner. Et tu peux en tirer un certain profit. Est-ce que ça te fait que maintenant tu as un certain droit de propriété? Ou bien non, finalement, il n'y a rien qui te revient de droit. Je le prends même de force. Ouais, même s'il y a un certain interdit à les prendre de force pour d'autres raisons qui sont partiellement liées au problème de Tovatana, c'est un gros sujet. Il y a des très bons Tosot Yom Tov qui parlent longuement de tout ça, et il y a de la Gemara qui parle longuement. Mais en tout cas,
T'es pas propriétaire, c'est comme si vous allez me dire un gabaï de Beth Knesset, il donne des aliyot. Et il peut tirer profit, il donne un aliyah à lui, parce que lui, il va lui laisser un petit billet à lui dans la poche. Ça va pas, non, quoi. Tu as ici une fonction publique, tu dois la faire de la manière la plus droite et honnête, et tout le monde doit être plus ou moins égaux. Alors tu peux décider de donner à lui plus qu'à lui, parce que tu te dis que les pauvres de ma ville ou les pauvres de ma famille, quand même, si chacun doit s'occuper de sa famille, chacun doit s'occuper de sa ville, donc tu peux fixer une certaine ordre de circulation, donner plus à lui, parce que lui, il ira chercher chez l'autre. Mais malgré tout, ça ne te rend pas propriétaire, c'est la question. Regardez la contradiction, d'accord? On va d'abord traduire. Konam chez Kohanim, Konam, Kohanim, Olvim, Nenimli. Moi, je prononce le nom. Je veux plus qu'il y ait un seul Kohen et un seul Lévi qui profite de moi. Je me suis fâché avec tous les Kohanim qui profitent plus de moi. La Mishnah me dit, ils viennent chez moi, ils me disent, chut, il prend et il s'en va. Je suis pas moi propriétaire pour les donner. Grand chidouche. Tovatana en amamon, apparemment. Par contre, si je dis Kohanim Elou, ou Levim Elou, Nenimli, je veux plus que ce Kohen-là, ou ce Lévi-là, qui profitent plus de moi, Itlou Achirim, eux, ils ont plus le droit de venir chercher chez moi. Ce doit être d'autres Kohanim qui vont venir chercher chez moi. Donc, Tovatana Mamon. Parce que si tu les prends de chez moi, ça s'appelle. Si je te laisse les prendre de chez moi, c'est mieux que je suis en train de te les donner. Ouais, même si je ferme les yeux et je me bouche les oreilles et je te dis et tu comprends que c'est sur la table. Et tu vas les chercher. Si c'est à moi et que tu les prends, je suis en train de te donner finalement. Donc j'ai pas le droit de te les donner, c'est ce que la Mishnah me dit. Il y a une contradiction. Vous comprenez la difficulté? D'un côté, tu me dis, si j'interdis de tous les Kohanim et tous les Lévi'im, le Kohen il pose pas de questions. Il prend, il rentre, il pousse la porte, il va les prendre sur la table. Mais si je dis ce Kohen-là, il peut plus rentrer chez moi pour les prendre. Et si jamais il le fait, et avec un accord tacite, ou même sans précision, ça s'appelle qu'il est en train de prendre mon mammon, il est en train de profiter de moi, il transgresse un interdit de Neder, il doit le laisser à un autre Kohen qui n'a pas le droit de profiter. Il y a une contradiction. Et la réponse, en fait, elle est astucieuse, elle est simple, pas compliquée du tout même. C'est que, qu'est-ce qui me rend propriétaire des Kohanim, de la Trouma, par exemple, de l'argent de la Trouma que je donne à un Kohanim. Ce qui me rend propriétaire, c'est le fait que je peux décider de la donner à tel Kohen plus qu'à un tel. Donc ça fait que même si la tourma elle-même, ces fruits-là, là, ce kilo de pommes, qui coûte en théorie 10 shekels sur le marché, c'est pas à moi, c'est vrai. Mais j'ai de ça un certain profit de équivalent de 1 shekel que je peux décider de donner à lui plutôt qu'à lui, et grâce à ça, j'en tire un certain profit. Donc, ce qui m'appartient, hein, c'est pas le fruit lui-même, c'est le droit de décider à qui je le donne. À partir du moment où je me suis interdit tous les Kohanim, il n'y a plus aucun Kohen qui. Je peux plus moi les donner à aucun Kohen. Donc je me suis brûlé la Tovatana, je ne peux plus la donner à aucun Kohen. Maintenant, ces fruits-là, ils appartiennent à la tribu des Kohanim. Sans que moi j'ai la possibilité de décider à qui je vais le donner. Celui qui vient qui le prend, il le prend en tout droit, complètement. Parce qu'il est en train, il ne me prend plus rien de moi. Ce que je possédais en théorie, c'était de décider à qui le donner. Si je me suis brûlé la possibilité de le donner à quiconque, parce qu'il n'y a plus aucun Kohen, il n'y a plus aucun Kohen qui peut profiter de moi. Donc maintenant, j'ai plus aucun droit sur ces fruits. Le fruit-là, la propriété concrète, vous comprenez le petit jeu? Il y a concrètement, on va définir comme ça en fait, qu'il y a deux propriétaires sur sur les fruits de la Trouma. Il y a d'abord la tribu des Kohanim, le fait que ça appartient aux Kohanim, c'est eux les propriétaires attitrés de ces fruits-là, parce que c'est de la Trouma, ça appartient aux Kohanim. Moi, je ne peux pas leur interdire ce que leur a eux, ce que leur appartient à eux. Ce que je peux moi interdire, c'est le petit droit que j'ai. Si je me suis brûler ce droit-là. Mais ben, j'ai plus ce droit-là. Qu'est-ce qui reste? Il reste des fruits qui appartiennent aux Kohanim. C'est pour ça que dans la première partie de la fin de la Mishnah, où j'interdis à tous les Kohanim, donc j'ai en train de dire que j'ai plus d'Otovatana dans ces fruits-là. J'ai plus d'Otovatana, n'importe quel Kohen vient et les récupère parce que ça appartient à la tribu des Kohanim. Mais si je me suis interdit à ces Kohanim-là, là, ces deux-là, parce qu'ils ont des gros nez ou je sais pas quoi, donc dans ce cas-là, j'ai interdit que eux, mais dans ce cas-là, les fruits, j'ai un certain droit sur ces fruits. Je peux décider de donner à tel Cohen ou à tel Cohen ou à tel Cohen. Celui qui vient qui me prend ça de force, il est en train de prendre de moi ce que je pouvais moi décider de le donner à quelqu'un d'autre. Il m'a pris, il m'a volé. Il m'a pas volé le fruit lui-même, il m'a volé la possibilité de décider à qui j'allais donner ce fruit. C'est clair? J'espère que c'est assez clair, Bezrat Hashem. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv, c'est là.